Pour moi, je suis Seigneur, c'est à mon tour, je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit. Et il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. De même,
Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Or, au cours du souper, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la décision de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains, il était sorti de Dieu et retourné à Dieu. Il se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge et il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin et il se met à laver les pieds de ses disciples. Les étudiants avec le linge dont il était saint. Il arrive ainsi devant Simon Pierre, et Pierre lui dit, Seigneur, c'est vous qui me laverez les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le sais pas encore, après tu comprendras. Pierre lui dit, non, jamais, vous ne me laverez les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, alors pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Et Jésus lui dit, celui qui a pris un bain n'a pas besoin de se laver, sauf toutefois les pieds. Il est entièrement pur. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. Il savait en effet qu'il allait le livrer. Voilà pourquoi il avait dit, vous n'êtes pas tous purs. Or, quand il leur eut lavé les pieds, il dilut, reprit sur son vêtement et se mit, remis à table. Il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître Seigneur, mais vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme je vous ai fait. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même le calice, après avoir soupé en disant, « Ce calice est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. » Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Faites ceci en mémoire de moi. Par ces paroles prononcées le jeudi saint, le Christ instituait le sacerdoce. Et il indiquait ainsi que la raison du prêtre, c'est le renouvellement du sacrifice de la croix, le saint sacrifice de la messe. C'est ce que rappelle de fait le saint Concile de Trente. La raison du sacerdoce est de consacrer, d'offrir, d'administrer l'Eucharistie, de consacrer le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour le salut des âmes et le donner aux âmes. Lorsque le prêtre prononce les paroles de la consécration, le prêtre fait descendre sur l'autel notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Créature chétive et misérable, malgré tout, le prêtre a le pouvoir, par ses paroles, de faire descendre celui qui est le créateur de toutes choses, le rédempteur de l'univers,
notre Seigneur Jésus-Christ. Comme la très sainte Vierge Marie, par son fiat, a pu faire descendre dans son sein le Fils de Dieu, ainsi le prêtre. C'est sa grandeur. Chaque fois qu'il prononce les paroles de la consécration, fait descendre sur nos autels notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans son corps, dans son sang, dans son âme, dans sa divinité. C'est là le pouvoir que notre Seigneur Jésus-Christ a donné au prêtre, le jeudi saint. Pouvoir incroyable, pouvoir inimaginable, que notre Seigneur ait donné ce pouvoir à des créatures, est un acte de sa toute-puissance, mais aussi de sa très grande charité pour nous. Par là, en effet, se continue la rédemption. Ainsi, mes bien chers frères, chaque fois, comme le dit saint André, chaque jour, j'offre à Dieu Tout-Puissant un sacrifice vivant. Non la fumée de l'encens, non le sang des boucs, mais la chair, non la chair des taureaux qui mugissent, mais j'offre à Dieu, sur l'autel de la croix, l'agneau sans tache, dont la chair sert de nourriture et dont le sang sert de breuvage au peuple qui a foi dans le Christ. Chaque jour, j'élève mon âme vers le Christ, Sauveur et Rédempteur. Chaque jour, je contemple cette charité du Christ, sa prière réparatrice, cet acte de totale obéissance à la volonté de son Père, réparant la désobéissance du péché d'Adam. Chaque jour, je contemple la justice du Père, qui n'a pas voulu remettre la faute dans une peine, quelle peine, les souffrances inouïes du Christ dans sa passion, mais aussi et tout également chaque jour, je contemple la miséricorde de Dieu qui nous a donné un tel Rédempteur, le seul Rédempteur, l'homme Dieu, le seul Rédempteur capable en son humanité unie à sa divinité, capable de satisfaire la justice infinie de Dieu et de réparer surabondamment la première désobéissance, celle d'Adam, établissant ainsi l'alliance entre Dieu et les hommes, la nouvelle et éternelle alliance, comme nous le disons dans la formule de consécration du vin de la Sainte Messe. Je contemple chaque jour en élevant la Sainte Hostie transsubstantiée, l'acte sublime de la charité du Christ qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. Chaque jour, en soulevant la Sainte Calice, j'offre à Dieu le sang de l'agneau. J'élève mon âme vers le ciel et je vois en lui celui qui fut digne de prendre le livre de vie et d'en ouvrir les sceaux, comme on le voit dans l'Apocalypse, car il a été immolé et a été racheté, et a racheté pour Dieu, par son sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voilà, mon bien cher frère, ce qui fait la grandeur du prêtre. Voilà ce qui soutient le reste de la foi du prêtre. Voilà ce qui soutient la charité du prêtre, son espérance. Voilà ce qui fait sa force au milieu du monde. Voilà ce qui lui donne sa raison d'être. Le prêtre n'est pas un homme politique. Le prêtre n'est pas un sociologue. Le prêtre n'a pas à considérer d'abord les problèmes sociaux et à s'engager dans les luttes de classe,
à la tête des syndicats. Non, le prêtre n'est pas un créateur de civilisation, il l'est secondairement, par conséquence. Le prêtre est et reste au cœur du mystère de Dieu. Il perpétue la réalité de la charité de Dieu exprimée dans le sacrifice de la croix. C'est cet acte qui sanctifie, qui élève les âmes et les rend plus proches de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice de la croix. Retenez bien cela. La sainteté d'un chacun dépend du degré de participation à ce sacrifice, à cette rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Les personnes les plus saintes sont celles qui s'associent davantage à la victime sainte qu'est notre Seigneur Jésus-Christ pour la rédemption du monde. Celle qui est la plus sainte après notre Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment, c'est Notre-Dame. Elle est la plus grande des saintes, plus digne que toutes les âmes qui ont été créées parce qu'elle a reçu en privilège une participation exceptionnelle à l'œuvre de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. On la trouve au pied de la croix. Elle est co-rédemptrice. Tous les saints et toutes les saintes sont saints et saintes, même ceux qui ne sont pas prêtres, en proportion de leur participation à la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont participé à sa rédemption, c'est-à-dire à son immense amour de charité, en s'offrant comme victime avec lui sur le doigt de la croix. Dans l'Église catholique, le signe de la véritable sainteté est l'union à notre Seigneur Jésus-Christ comme victime pour participer à la rédemption de l'humanité tout entière. « Je suis crucifié avec le Christ », dira saint Paul. Cela est et restera toujours vrai, le signe toujours vrai de la sainteté. Affirmons avec toute l'Église que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, sa méditation, est unie à elle, est le moyen de toute sanctification. Et puisque la croix, c'est la messe, il faut conclure que la messe est la chose la plus importante pour l'Église et pour le prêtre et pour les fidèles. Fasse que nous comprenions toujours mieux cette vérité. On ne peut mieux être uni au Christ, victime sainte, victime sans tache, victime immaculée, que ce que nous disons dans le canon de la messe, qu'en la célébration et en la participation active de la messe. C'est à la messe et dans la sainte communion que nous pouvons nous transformer en victimes saintes pour sanctifier nos âmes et celles qui sont dans le monde. Quel bel idéal notre Seigneur nous laisse. Quel beau programme de sainteté le bon Dieu veut que nous réalisions ici pendant les quelques années que nous passons sur la terre. Saint Pidis le résume dans sa belle encyclique Erat Animum. En tant que ses ministres dans l'offrande du sacrifice par excellence, perpétuellement renouvelé pour le salut du monde, nous devons nous mettre dans le même état d'esprit que celui dans lequel Hostie Immaculée, le Christ, s'est offert à Dieu sur l'autel de la croix. Cela restera toujours vrai, et pour le prêtre, et pour les fidèles. Pie XII le rappelle fortement pour les fidèles dans son encyclique Miraribus. Il faut vivre, oui, du saint sacrifice de la messe pour s'élever à la sainteté. C'est ce que nous a enseigné Monseigneur Lefebvre. C'est son héritage, son trésor. La messe catholique
sera toujours le grand programme de la vie du prêtre, comme le grand programme de la vie chrétienne. Modifier cette messe alors, de changer sa nature, en faire un repas plus que le sacrifice du Christ renouvelé, c'est modifier nécessairement l'idéal sacerdotal et l'idéal catholique. La croix est la loi d'amour du Christ. La messe catholique, c'est la même loi d'amour de charité du Christ. C'est cette loi d'amour que Jésus nous prêche sur la croix et qu'il nous prêche tous les jours durant le saint sacrifice de la messe. Ainsi, le saint sacrifice de la messe, célébré tous les jours, entretient en nos cœurs la pratique de la loi de charité comme idéal. Ainsi, nos âmes sont réconfortées devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, devant son sang et son corps, qui sont devant nous sur l'autel, par les paroles de la consécration. Assister à la messe, nous unir à ce sacrifice, c'est nous pénétrer de ce sentiment d'amour envers Dieu, d'amour envers le prochain, jusqu'au sacrifice de nous-mêmes. Aussi longtemps que nous garderons dans nos cœurs ces sentiments, aussi longtemps le couvent Saint-Paul existera. Le couvent Saint-Paul s'éteindra le jour où s'éteindra cette volonté de vivre de la loi d'amour du Christ manifestée à la croix et perpétuée sur nos autels. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi.